70e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir à la façon dont vous faites les choses et surtout à la façon dont vous aidez vos amis, votre entourage personnel ou professionnel quand on a besoin de vous. Posez-vous la question ou observez votre comportement. Est-ce que vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous aimez rendre service, parce que pour vous c'est super important? Ou alors, est-ce que vous faites les choses en espérant quelque chose en retour? C'est vraiment important d'en être conscient parce que parfois, j'en discutais hier avec une de mes amies, on a tendance à se donner, à faire tout ce qu'on peut pour nos amis, nos enfants, notre conjoint, notre famille. Et en fait, on se fatigue, on s'épuise et parfois, on est vraiment très triste parce qu'en fait, on se rend compte que c'est qu'à sens unique. Mais en fait, c'est à sens unique peut-être parce que nous, derrière, on attend énormément de choses et parfois le retour n'arrive pas, pas comme on l'aurait voulu. Et du coup, c'est important d'identifier votre façon de fonctionner. Donc, à chaque fois que vous avez envie d'aider quelqu'un, est-ce que vous le faites sincèrement ou vous le faites pour avoir quelque chose en retour, tout simplement?